Aujourd'hui, le but, si ça marche, normalement si cette vidéo est en ligne, c'est que ça a marché et que vous avez vu la miniature pour que ça soit un petit peu alléchant, c'est de faire un dessert sur le thème de Pâques et du printemps. Parce que au lycée où je suis, le jeudi matin, il y a un, c'est pas un concours, mais il y a des thèmes où chaque prof peut apporter un gâteau ou des choses comme ça selon un thème. Et là, cette semaine, c'est-à-dire demain, c'est sur Pâques et printemps, juste avant les vacances. Et donc, je me suis dit, après avoir réfléchi, je me suis dit, ah, ce truc un printemps, donc c'est des fleurs, éventuellement un peu de fleurs, et ce serait bien aussi qu'il y ait des œufs pour faire un peu Pâques et tout. Je me suis dit que j'allais recréer, à ma façon, hein, une jardinière là-dedans. Un gâteau qui soit bon, hein, avec une génoise, avec plusieurs niveaux, là-dedans. Et au-dessus, de refaire comme si c'était de la terre, avec des fleurs qui sont au-dessus. Sachant que les fleurs, je ne les ferai pas à la main. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire précisément. J'ai une petite idée, il faudra me suivre, hein, comme souvent. Mais j'ai des œufs et je ne sais pas si je vais garder les coquilles, je les ai un petit peu rincées. Et j'aimerais bien garder les coquilles pour en faire quelque chose, éventuellement les remplir. Et vu les problèmes qu'on m'a cités pas mal de fois sur la salmonelle, je me suis dit que, bon, je les ai un peu rincées, hein, parce que je vais essayer de ne pas casser la coquille mais récupérer l'intérieur. Je pense que je vais les mettre au four, parce que la salmonelle je crois qu'elle est détruite à 60 degrés. Donc si je les mets au four à 100 degrés pendant quelques minutes, ça devrait aller, on espère. Donc, je vais essayer de récupérer les œufs. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir faire. Donc là, on perce. Là, on perce. Et normalement, la partie sympa, c'est de souffler là-dedans. Un petit peu comme si j'avais ma bouche au niveau du... Vraiment du but de la poule, quoi. Non. Et ça donne envie. Petit goût de salmonelle. Et du sable. Ben, je vais essayer de faire pareil avec les... Il en faudra au moins 8, je pense. Donc là, peut-être il y a une technique qui est beaucoup plus simple que je n'ai pas. Ça donne tellement envie. J'essaye de pas cracher en même temps. Ce serait dommage. Donc là, finalement, je pense que 6 œufs, ça devrait aller. Et on va partir sur la genoise classique que j'ai déjà faite plein de fois. J'ai déjà fait. Bref. Donc c'est 20 et quelques, 22 grammes par œuf de sucre. 22 grammes de sucre par œuf. Donc là il y en a 6, 6 fois 22, ça fait 132. Et donc là maintenant, vous avez vu que j'avais un robot la semaine dernière. Et donc voilà, bah évidemment, je vais faire à la main. Après quelques minutes d'intense fouettage, on obtient ça. On va ajouter de la farine, bien sûr tamisée, et qu'on va incorporer délicatement avec une maryse ou une corne à pâtisser. Évidemment, ça va un peu retomber. Franchement, à chaque fois que je me lèche les doigts, il y a vraiment ce petit goût de salmonelle. Putain, je me moque, mais à chaque fois, si un jour j'ai la salmonellose, je pense que je rigolerai moins. Donc il faut bien, je pense, 4 œufs par gâteau. Là, ça va un peu gonfler, mais... pas suffisamment pour en faire deux. Bon ben je vais mettre ça au four, pas trop chaud pour que tout puisse cuire, donc je pense pas 180, 160, en espérant que ça retombe pas. Et je vais aussi en profiter pour mettre les œufs au four pour qu'ils sèchent un peu et que aussi ça détruise la salmonelle. Je vais garder saladier et sol, mais c'est pas grave parce que je voudrais faire un petit gâteau au chocolat vite fait, un simili de terre, enfin terreau, enfin de l'humus ou du complexe argilo-humique pour ceux qui sont en première S ou L. Est-ce que je vais suivre une recette? Clairement pas. Je vais faire un petit peu à l'instinct pour avoir quelque chose qui soit assez gonflé, qui soit au chocolat. Donc en gros, la contrainte c'est que ce soit pas trop mauvais et que c'est la bonne couleur. Quand même pour le goût, on va mettre du sucre brut, c'est quand même meilleur. Du cacao en poudre. Donc là pour ce gâteau, il y a pas mal de chocolat. Là, beurre et chocolat. Un petit peu de lait pour quand même avoir un peu de liquide. Faut que ça tienne. Un petit peu de bicarbonate pour que ça gonfle. Pour avoir ce côté humus. Ça devrait... Ah, j'ai oublié. Le trait de jus de citron pour activer le bicarbonate. Oui, on peut faire quelques petites erreurs. Hein. Et on envoie au four avec le reste. Et je sors les œufs du four. Voici le gâteau après cuisson. Je vais attendre qu'il sèche, qu'il refroidisse. Enfin, qu'il refroidisse surtout. Et après, on pourra découper et passer aux petits ateliers. Et là, le gâteau au chocolat. C'est pas un grand gâteau au chocolat. Il y a moyen qu'il soit un petit peu... pas sec, mais voilà, normalement, il faut faire de la terre. Il faut faire de la terre. Hein.
C'est à peu près la texture que je voulais. En termes de. C'est léger comme. Avec des petites alvéoles, un petit peu. Il y aura des petits morceaux qui seront un peu plus crous, un peu durs. Comme s'il restait des morceaux de feuilles. Faut le démouler pour pas que toute l'humidité reste. Le gâteau chaud, on s'en fiche, c'est de la terre. Mais voilà, bah, c'est parfait. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Pendant que tout ça refroidit, j'ai le temps pour faire la crème. Ce que je voulais faire, c'est essayer dans cette coquille de faire une ouverture suffisamment grande pour pouvoir y mettre des petits œufs. Mais j'aimerais bien pas tout casser. On va s'arrêter là. Ne me mettez pas au pilori ou un truc genre. J'ai acheté de la pâte d'amande industrielle. Je l'ai pas faite moi-même. Faute de temps. Est-ce que c'est une vraie excuse? Je sais pas si ça passera, mais bon. Et ce que j'aimerais faire avec ça, c'est prendre des petites amandes ou des pistaches, des noisettes, l'enrober ici au plus près pour qu'il y ait un petit peu de pâte d'amande, beaucoup de noix. Voilà. Globalement, c'est rond et on lui donne une forme d'œuf, quoi. Et ça, c'est encore un peu trop gros. Et comme ça, on en met 2-3, je dirais, un de chaque couleur. Donc l'étape maintenant, ça va être de faire du gras, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de gras. Donc, on va mettre un petit peu de mascarpone, mettre un petit peu de sucre, un petit peu de vanille, et de la crème fraîche. On va partir sur un temps pour temps. Et encore une fois, on va fouetter jusqu'à ce que ça épaississe. Donc maintenant, l'étape sympa, ça va être d'assembler tout ça. Donc les armes pour ce combat, ça va être un couteau à pain pour découper la génoise dans la largeur. On va essayer d'avoir quelque chose, une base sympa. Non, ça va. Premier étage de génoise. L'étape d'après, ça va être de mettre de la crème. Et alors, évidemment, on aurait pu faire ananas menthe. Ça serait passé très très bien. Mais là, je me dis, vu qu'il y aura du chocolat et vu que c'est le printemps, je vais partir sur des framboises. Pour avoir le traceur visuel, un petit peu de menthe séchée. Deuxième couche. J'appuie bien quand même parce que. Il faudra que je mette une troisième couche. C'est un peu encore tiède chaud ça. On va refroidir. C'est un peu trop épais ces framboises, donc je vais faire un peu de la poudre. Quelle décadence! Désolé pour les bruits de plat. Et là, je vois que c'est un peu trop épais, donc on va tout recouper ici. Je crois qu'avec ça, je vais en faire un mini gâteau. Il me reste de la crème, il me reste des framboises. Je mets de côté, je nettoie, je reviens. Ce papier, vous allez peut-être m'appeler comme radin, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois, je me suis fait livrer un colis et il y avait tous ces papiers dedans. Je les ai gardés et c'est toujours sympa de les remettre. Ensuite, par exemple, quand on renvoie un colis ou. Par exemple là, en l'occurrence ici, c'est pas mal. C'est très très DIY. Franchement, là j'ai l'impression d'être presque une influenceuse beauté. Les petits projets DIY pour, je veux dire, les préadolescentes. Bref. Allez, ça rentre. Après, ça va sûrement coller, mais je pense qu'une fois qu'on aura cassé l'œuf, ça ira mieux. Et voici le petit œuf, qui est... Ok, il n'est pas droit. Donc si la magie opère, ça devrait être maintenant. J'espère. Donc là, je vais essayer en prenant un peu de ce gâteau au chocolat. Et en faisant comme si c'était du complexe argilo-humique. Petite référence dédicace à ceux qui passent le bac de sciences en L ou en ES. Ouais. Donc c'est un peu l'argile de l'humus, hein, qui est chargé négativement et qui va capter, enfin, se lier aux ions positifs. Parce que pourquoi tout le temps parler des S? On fait aussi des sciences ailleurs. Mettre quelques feuilles mortes. Et il faut que j'ajoute quelques petits œufs. Il faudrait que j'en fasse en plus pour les poser là-dedans. En tout cas, je trouve que ça fait très jardinière de printemps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les mortes pour pouvoir transporter. Ce que j'ai fait en plus, c'est des petits œufs, comme ça, voilà, avec la pâte d'amande encore, que je mettrai à la fin pour la déco.
Je reviens juste pour dire deux, trois petites choses. Le gâteau, bah, il a été mangé. Ce qui est pas mal, c'est un petit peu la surprise quand on a c'est vraiment cette jardinière. Après, ce qui n'est pas très pratique, c'est un peu de virer la terre, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça passe bien. Et les goûts vont plutôt bien ensemble. La menthe, la framboise, ça a bien marché. Voilà, non, c'est pas une grosse prise de risque non plus. J'ai même eu une réflexion de la part d'une collègue quand j'étais arrivé ça à la salle des profs vers midi et demi. Elle dit, ah, mais enfin, elle était venue au bout d'un moment et elle a dit, ah, mais je pensais que tu étais venu montrer des plantes, je sais pas pourquoi. Bon, après, ok, c'est de la menthe, donc il y avait une partie qui était plante, mais le côté terre marche très bien et c'est ultra simple d'avoir ce trompe-l'œil végétal. Sans forcément faire des trucs en pâte de sucre, de machin ou quoi. Voilà. C'est toujours sympa de casser un œuf. Et bon, j'ai dû préciser quand même plusieurs fois que j'avais mis au four parce que forcément des œufs, des coquilles d'œufs, c'est pas forcément d'un point de vue sanitaire le plus évident. Bref, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.